Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, on y va pour les titres. Moment de partage et de dévotion pour la communauté hindoue ce mardi, Ugadi célébré dans la ferveur par les Télégous, fête qui symbolise leur nouvel an, tout comme les Marathis qui célèbrent le Gudi Padua. Nous avons fait au-delà de nos promesses, affirmation de Pravin Jugnauth cet après-midi à Phoenix, lors des célébrations officielles marquant la fête Ugadi. Le Premier ministre a salué la contribution des associations socio-culturelles dans l'avancement du pays. Un adolescent de 14 ans porte plainte contre ses parents pour maltraitance. Il a été hospitalisé. La brigade pour la protection des mineurs alertée. Et puis, élection en Afrique du Sud, la justice autorise l'ex-président Zuma à être candidat. Ugadi, célébré dans la ferveur ce mardi, cette fête marque le nouvel an pour les hindous, plus particulièrement la communauté Télégou. Cette journée spéciale a démarré par un bain purificateur et qui dit nouvel an, dit aussi la lecture du Panchangam dans les temples. En se basant sur le positionnement des 7 planètes et des calculs, il donne des indications sur l'environnement, le climat, la santé ou encore la situation politique en général. Reportage de Mima Omir au Mandiram Sri Rama Krishna Davalayam. Allez Saline. Le réveil a été très matinal pour Mala. Elle a démarré cette journée spéciale par un bain purificateur avant de se rendre au temple. C'est une bonne idée, bien bonne idée, quand elle se matin, elle a fini de lever. Avant le soleil, elle s'est levée. Elle a un bain spirituel qu'il fait avec de l'huile, un bain d'huile, un parfum, avec différents parfums. Commencement, nous faisons la prière avec le soleil, hein? Nous demandons d'éclairage. Et puis nous continuons à faire la prière, nous préparons gâteau, nous mettons des habits neufs. Il y en a beaucoup qui célèbrent ça en famille, mais seulement pour la majorité, les autres viennent de Nwandiram, c'est carré. Seulement aujourd'hui, je mange végétarien. Parce que nous avons 9 planètes, mais ça l'année-là, c'est une planète Mars. Pour ça l'année-là, c'est une planète Mars. Là, ça, là, nous avons besoin de faire beaucoup la prière. Nous avons besoin de suivre nos bons enfants. Ça, là, n'est pas trop bon. Nous avons besoin de pas cause trop beaucoup. Parce que, attention, nous avons un conflit avec nos bons camarades. Place à la lecture du Panchangam dans les temples. Il s'agit d'un livre sacré préparé par les sages qui donne des indications sur l'environnement, le climat, la santé ou encore la situation politique en général. Tout le monde est hindou. C'est bon Dieu, le monde finit créer aujourd'hui. Alors, les premières affaires, nous venons faire la prière là, et quand nous finissons faire la prière, nous sommes amis. Et lire le Panchanga Sravanam. Là-dedans, il dit ce qui est des affaires qui sont réservées au courant de l'année. Pour un monde qui est bon, qui n'est pas bon. D'après cette année-là, là, nous avons 7 là-dedans, 7 horoscopes, on va dire côté mauvais, et 5 plus bons, la santé sur la Corée. Alors, Panchanga Sravanam, aide-nous pour que nous la santé. Qui bonne précaution nous besoin prendre pour éviter bonne difficulté, bonne calamité. C'est là qui la prière nous besoin faire. Moment de partage des douceurs notamment d'Ugadi Pachadi, un mélange de 6 saveurs est offert en ce jour spécial. Alors quand nous finissons ça, Panchanga Sravanam là, nous mangeons des affaires qui appellent Ugadi Pachadi. Ça tout le monde prend mes affaires, mais nous lever grand matin, nous prenons lit dans la case, au soir nous venons de Mandiram de Gudi. Ugadi Pachadi veut dire un satini qui fait avec différents ingrédients. Qui dit Ugadi dit nouvelle année. Gayatri explique le symbolisme de cette fête. C'est un nouvel an qui est rentré pour nous, le Panchang Sanze. Nous avons beaucoup de préparations à faire, mais une bonne préparation. Nous avons différents gâteaux, différentes couleurs, différents godis devant la porte. L'année là, Sanze, la couleur mes traditions ont resté. Grand matin, nous avons pris une belle safran, nous avons mis de Nous prenons ça premier panchali là, 5 éléments là, nous boire avant les là, nous mangeons salé. Après nous le café nous bouillons salé, mais là nous faisons du là. Les festivités de l'Ugadi se poursuivent ce soir en famille. Nous avons fait au-delà de nos promesses, affirmation de Pravin Jugnauth cet après-midi à Phoenix. Le Premier ministre participait aux célébrations officielles de la fête Ugadi. Dans son discours, il a également salué le travail accompli par les associations socio-culturelles dans l'avancement du pays. Non seulement merci à tout ce monde grand monde qui fait beaucoup d'efforts, sacrifices
Mais pour nous inspirer, nous, des autres efforts et des autres sacrifices. Sa discipline qui est finie dans là, sa passion pour le travail. Nous puissions inspirer nous de ça, pour nous capables de continuer à avancer encore plus bien à l'avenir. Cette bonne qualité-là, c'est cette bonne qualité-là même qui peut amener nous vers plus de progrès. Malgré qu'ils ont dit, nous sommes dans les autres situations difficiles. Nous pouvons connaître les autres contextes. Nous, comme un gouvernement, nous voulons que toute communauté, toute ethnie, capable de saisir l'opportunité, l'occasion, pour qu'ils soient capables de connaître l'avancement au sein de la famille. Et ça, l'avancement au sein de la famille-là, il amène automatiquement de l'avancement au sein de nos pays. Moi, toujours mettre l'emphase aussi sur l'unité dans nos pays. À nous dire 60 ans, 60e ou gadi, il y a une affaire spéciale, ça. Et pour nous aussi, c'est spécial quand on gagne 60 ans. 13 500 roupies, pension. Et nous faire plus que ça. Plus que ça, parce qu'il y en a tous 14 500, il y en a tous 16 000 roupies. Donc, nous allons au-delà de ce qui nous-mêmes nous tiennent promis. De son côté, le ministre Kavirahmano a mis l'accent sur le symbolisme de cette célébration. Nous aspirons pour le progrès, et le progrès, c'est propre à la nature humaine, propre à l'humanité. Et me penser que le progrès, c'est quelque chose d'irréversible. Quand nous engageons dans le progrès, nous visons toujours, venons vers l'avenir surtout. Et là, la célébration de la fête Ougadi, il y a une symbolisme bien sûr pour la communauté Télégou, il y a une symbolisme d'un niveau beaucoup plus large pour la religion hindoue. Il y a un moment pour nous glorifier, aussi pour nous rendre hommage à Lord Brahma, qui est le créateur de l'univers, qui fine à la base de la création de bonne saison. En Inde, c'est le premier jour un peu pour Kotli Mok, le commencement du spring season, et extrêmement important pour, dans ce moment qui nous peut célébrer la fête Ougadi, nous avons une pensée spéciale au Créateur. Autre célébration ce mardi, la communauté Marathi fête le Gudi Padwa qui symbolise également le nouvel an hindou, ce qui marque la création de l'univers par le dieu Brahma. Normalement, Gudi Padwa, nous célébrons dans le mois du Chaitre. Chaitre, c'est le premier mois du calendrier hindou. D'après la croyance, c'est Brahmadev qui crée l'univers ce jour-là. Alors Chaitre, Shukla Pratipada, nous fait Brahmadev de Puja. Nous mettons une gourie, c'est-à-dire sa bamboula. Avec le sa bamboula, nous mettons attache Feinim, là où notre ferment, et nous mettons la toile. Donc ça, nous mettons un har, après ça, nous mettons une kaloche, un lota. Ce lota-là, nous décorons avec un stick et nous mettons devant la côte, nous faisons ce Puja. Et plus spécialement, ce qui est spécial là-dedans, ce prasad. Ce prasad, c'est Karu Nimbati Chetni qui finit avec 5 éléments, amer, doux, salé, piment, avec egg. Ces 5 éléments-là représentent sueur de la vie. Ils représentent tout le monde sueur de la vie qui nous a passé pendant ça un an-là. Alors nous prions Brahmadev, ça jour-là, et nous disons Brahmadev, donne-nous courage, donne-nous shakti, qu'on nous dire, qui sa nouvelle banane qui peut appeler, nouvelle année qui peut appeler Krodhi Nam Sanvatsar, qu'il y passe bien avec vos bénédictions. Un adolescent de 14 ans porte plainte contre ses parents pour maltraitance. Il affirme qu'il vit avec eux dans un faubourg de la capitale, qu'il se drogue et ne lui donne rien à manger. La brigade pour la protection des mineurs en a été informée. Il a été admis à l'hôpital Jitou pour recevoir des soins. La résistance contre la rétrocession de l'archipel des Chagos à Maurice par le Royaume-Uni au sein même du Parti conservateur au pouvoir continue. Toutefois, une campagne active est maintenant menée par des parlementaires conservateurs qui ne sont pas membres du cabinet. Patrick Hilbert avec les commentaires de Didier Rose.
Daniel Chautinski, député de Shrewsbury et Hatcham, réélu à 5 reprises depuis mai 2005, met en garde le gouvernement contre une erreur stratégique embarrassante si le Royaume-Uni va de l'avant avec son intention de remettre les îles Chagossiennes à Maurice. Il met en garde contre l'influence de la Chine sur Maurice, qui est endetté de milliards de dollars envers la Chine. Le parlementaire remet en question l'avenir de l'installation militaire régionale la plus importante de l'Occident, Diego Garcia, si Maurice prend possession de l'archipel. Daniel Skarzynski, qui a été le conseiller de David Cameron, lorsque ce dernier était Premier ministre, a déclaré à la presse britannique dimanche soir « J'ai demandé au secrétaire d'État aux affaires étrangères à plusieurs reprises s'il pouvait me rassurer sur le fait que les Chagos seraient protégés. Il y a à peine 2 semaines, il a évité ma question comme il le fait toujours. Au lieu de me rassurer sur le fait que les îles Chagos resteront britanniques, il a répondu que tout ce qui lui importe, c'est Diego Garcia. » Selon le député, Maurice comprend l'importance stratégique énorme et la richesse économique de ces îles et essaie donc de nous les arracher. Même si Maurice loue à bail Diego Garcia aux Britanniques, pour une période de 99 ans, un gouvernement mauricien pourrait décider, à un moment ou à un autre, de résilier ou modifier le bail à sa guise. En 2019, le gouvernement britannique, avec James Cleverly comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, a débuté les pourparlers avec Maurice autour d'une éventuelle rétrocession. Mais pour Daniel Karosinski, nous ne savons pas pourquoi James Cleverly a entamé les négociations et je ne sais pas pourquoi Cameron les poursuit. Je crains qu'ils n'aient tous les deux été mal conseillés et que les hauts fonctionnaires du Foreign Office reproduisent le même esprit d'acquiescement que leurs prédécesseurs dans les années 1980. Pour lui, une solution serait de rapatrier les Chagossiens et de leur permettre d'organiser un référendum sanctionné par l'ONU sur l'avenir de l'archipel avec l'espoir que la majorité des Chagossiens prendront fait et cause pour le Royaume-Uni. Omnicane obtient le soutien financier de l'International Finance Corporation, une filiale de la Banque mondiale qui traite avec les entreprises du privé. La signature de cet accord s'est tenue hier dans les locaux d'Omnicane. Cette transition énergétique cadre avec la politique du gouvernement qui souhaite réduire drastiquement l'utilisation du charbon d'ici 2030. Alors, premièrement, c'est pour répondre aux objectifs nationaux du pays. Donc, comme vous savez, le pays a pris la décision d'arrêter le charbon d'ici 2030, totalement. Et on sait qu'aujourd'hui, une partie importante de l'énergie à Maurice, l'électricité, est faite à partir de charbon. L'objectif est, d'ici 2030, du gouvernement de passer à 60% d'énergie renouvelable et de réduire les émissions de CO2 par 40%. Donc c'est dans ce contexte-là que nous, à Omnicane, on est obligés d'aller vers cette transition énergétique. Mais bien évidemment, qu'on pense aussi qu'il y a... c'est un objectif tout à fait louable. Et donc on est très partant pour remplacer la totalité du charbon dans les centrales thermiques par de la biomasse. Donc c'est un peu ça la transition. C'est passer du charbon à la biomasse. La transition que l'on pourrait faire chez nous, c'est l'équivalent d'environ 780 000 tonnes de CO2 par an qui ne seront pas émises. Donc ça fait une partie substantielle des objectifs du gouvernement. Plus de 25% de la réduction de CO2 qui a été fixée par l'État en activant ce programme serait réalisable. On passe de tout ce qui est énergie fossile à ce qui est énergie renouvelable. Et dans ce contexte, des partenaires comme Omnicane ont un rôle considérable à jouer pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un grand acteur dans le secteur. Et ensuite, il y a le rôle de modèle. Qu'ils prennent le leadership, ils démontrent que c'est quelque chose de faisable. Et l'idée pour nous, c'est en nous appuyant sur des partenaires comme Omnicare, c'est non seulement de le faire à Maurice, faire un premier projet, mais également être capable de faire d'autres projets à Maurice. Mais nous regardons aussi au-delà de Maurice, le reste du continent. 20h passées de 16 minutes, la suite après la pub. Our stories begin right here, and we never write them alone. There'll be pages we love to read again and again,
and some we want to tear out. They are stories of dreamers, stories of creators, stories of strivers, stories of believers, and we're inspired by them all. We invite you to write your story with us. Your story matters, APSA. Raconte la vie, ça oui, ça qui lit. Le réseau chez nous histoire. Grand ma tête top et n'a secret pena honte. Sans vendre de bout de poulie. Même si pour enfant yen, Marie Manzel la ville, dit côte moi mon côté. Du plus qui m'a famille, nous mal la tête fille mal. Sa femme nous réunit. Ça me casse, ça me fait traite. Elle marie la mes mais dans sirop, mais dans l'école. C'est mon ami bon rôle. Moi en bas de nid. Never. Mon amitié pour moi, Wello, c'est forever and ever. Et qui coulé à nous îles. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Et pour continuer de nourrir sa soif d'apprendre, Apta Kid soutient le développement cérébral de votre enfant. Votre histoire, notre expertise. Il est de retour dans les Bacadines. Rungen revient avec un nouveau single intitulé « Souffrance la drogue ». Il a souhaité à travers ce morceau rendre hommage à toutes les mères qui souffrent en silence. Le clip sortira le vendredi 19 avril prochain à 20h. Je vous laisse découvrir. Autant des pieds bas, de maman accompagne. On dit toi et que l'amour, viens toi, vine un grand jour. Weekend Cadeau, c'est un week-end résident en Chine qui est organisé pour le groupe Adekasi. Et dans ce week-end-là, nous abordons plusieurs thèmes, tels que capacity building, les chimes de soi, et prévention et qu'informations, l'eau, la drogue et le sida. Donc, si tu es entre 14 ans et 18 ans, Vincent Nudo Foyer Fiat, les 12, 13, 14 avril 2024. Si, pas oublier qu'il y a un séminaire où il y a une durée 3 jours. Et si tu as envie de participer de week-end cadeau, il est bien simple. C'est un formulaire pour remplir et cramer une lit au plus tard le 10 avril. Mais si tu veux trouver ta bas, crois-moi, il y a moins l'expérience. Je fais week-end cadeau aussi. Et depuis sa semaine, je tiens beaucoup à être moi, il me beaucoup apporte moi et aussi il m'aime beaucoup. J'ai l'amitié des pizza. Alors, c'est mon M2 et mon espérance nous en avant. Donne-toi tout au valet, donne-toi tout au nécessaire. Et sautis la drogue, puis prends-tu la vie. Et dans l'actualité internationale, l'ex-président Jacob Zuma sera candidat aux élections législatives prévues fin mai en Afrique du Sud. La justice ayant annulé mardi une récente décision de la commission électorale prononçant son exclusion du scrutin, le retour en appel est accepté, a tranché le tribunal électoral dans une décision consultée par l'AFP. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé, une agence des Nations unies et des partenaires locaux inspectent les dégâts subis par le complexe Al-Shifa dans la ville de Gaza. L'équipe aide également à l'identification des restes humains découverts à l'intérieur et autour de l'hôpital. Les forces israéliennes se sont retirées d'Al-Shifa le 1er avril après une opération militaire de 2 semaines, laissant derrière elle des bâtiments carbonisés et des corps éparpillés dans le complexe tentaculaire. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné pour la première fois ce mardi un État, la Suisse, pour violation de la Convention des droits de l'homme, donnant raison à une association de femmes âgées qui attaquait l'inaction du pays face au changement climatique.
Et le président rwandais Paul Kagame rencontre le premier ministre britannique Rishi Sunak au 10 Downing Street. La rencontre a lieu alors que Sunak a fait de la lutte contre l'immigration clandestine l'une de ses priorités avec le très controversé projet de loi pour expulser les migrants vers le Rwanda. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.